Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 23 février 2021. Aujourd'hui on a de nouvelles missions principales, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait pas si longtemps qu'on en a eu par rapport aux années précédentes. Donc en fait on en a eu deux en 2 ans en fait. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Pour petit rappel de ce qui s'est passé dans les précédentes quêtes, on a sauvé Anne, mais Fripp a plongé dans un coma, puis on l'a réveillé avec le trèfle à 5 feuilles, mais Anne et Alex l'ont volé, enfin Anne, Alex, je ne sais pas, et donc on va chercher Anne aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de te voir, Dorina. On s'inquiète pour Anne et Alex. Tu veux bien nous aider à les retrouver? Fripp est épuisé par ce qu'il a vu et Avalon doit rester ici pour s'occuper de lui. Ça veut dire qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour découvrir ce qui s'est passé et retrouver nos amis. Dans le chaos ambiant, Anne s'est enfuie avec le trèfle à 5 feuilles et Alex s'est éclipsé discrètement ensuite. On suppose qu'Alex a suivi Anne pour l'empêcher de faire une bêtise. Elle est peut-être sur le point de prendre une décision terrible et irréversible. Anne n'est plus à même depuis qu'elle a perdu Concorde. Je ne veux même pas l'imaginer. Est-ce que tout le monde pense à la même chose que moi? Si elle a le trèfle, ça veut dire qu'elle veut transformer Concorde. Elle va avoir besoin de l'aide d'une puissante sorcière, une sorcière s'y connaît en magie noire. Je parie qu'elle est allée voir Pi. Bon, alors, commençons par trouver Pi. Il faut qu'on aille au marais du chaudron pour parler à Pi. Y aller n'est pas le problème, c'est le traverser qui est terrifiant. Tu rigoles, c'est un jeu d'enfant, t'y es jamais allé toi ou quoi? Petite annonce, maintenant vous pouvez commander des édits à moi, hein. Et donc, vous me parlez en MP sur Insta, sur Discord, sur Twitter, sur Snap. Et vous me dites ce que vous voulez précisément. Et je vous le fais, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas payer mes abonnés. Sa maison est sans dessus dessous et elle n'est pas là. Ça ne me dit rien qui vaille. Pi n'est pas là. Il faut qu'on continue à chercher, voyons si elle a laissé des indices indiquant où elle se trouve. Elle ne quitte jamais le marais, où est-ce qu'elle peut bien être? Les Soul Riders, comment on se retrouve? Pourquoi vous me regardez comme ça? Mon chapeau est de travers? Ah oui, c'est vrai que je suis un cheval. D'après ce que j'en comprends, je suis sous l'effet d'un puissant sortilège. Tant que je serai piégé sous cette forme, je ne servirai à rien. Je peux peut-être te guérir, Pi. Tu peux essayer, et tu veux bien me gratter mon ton aussi, s'il te plaît. J'essaie de toutes mes forces, mais rien se passe. Peut-être parce que je ne suis pas blessée. Je n'ai pas besoin d'une guérison, j'ai besoin qu'on lève ce sort. Tu aurais des morceaux de sucre? Pour le sort? Non, j'en ai juste envie. Le sort... laisse-moi réfléchir, je n'arrive pas à me souvenir du sort. Pas tant que je suis piégée dans ce corps. Vous allez devoir retrouver mon grimoire. Non, je l'avais avec moi. Peut-être qu'il était avec les autres choses que l'on a vues. Oui, je confirme. Ouvre le livre à la page 745 pour moi. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Tous les ingrédients se trouvent à Epona, mais avec ces sabots, je ne peux rien récolter. Vous voulez bien m'aider? Je ne crois pas qu'on ait le choix. Si on aide Pi, elle pourra nous aider. Exactement. C'est d'accord, Pi, on va aller à Epona. Commençons par le marais du miroir. Il est temps de récolter le premier ingrédient du sort. Comment est-ce qu'on s'organise? On s'enfonce dans le marais et on cueille des fleurs? Oh, regarde, c'est bizarre. Ces fleurs s'ouvrent et se referment. Quelle plante étrange.
pas étrange, magique. Il faut cueillir au bon moment. Et faire attention à ne pas se noyer au passage. Hein? Mais il y a combien de profondeur? Rends-toi sur les îles du soleil pour récolter la nacre. Il s'agit de l'intérieur brillant de certains types de coquillages. Exact. Nous pouvons le broyer pour en faire une poudre iridescente. Ou je pourrais en faire des boutons pour ma nouvelle cape. Puis reste concentré s'il te plaît. Allons-y. J'ai vu des coquillages près de cet oiseau là-bas. Il nous en faut. Cet oiseau a quelque chose d'angoissant. C'est comme s'il nous regardait. Hé, il me fonce dessus! Il doit être attiré par cette matière brillante. Luna, il faut que tu prennes les coquillages à cet oiseau. Et pourquoi c'est moi qui fais tout le boulot là encore? Bien joué! Nous avons maintenant la moitié des ingrédients nécessaires pour le sort. Notre prochain ingrédient doit de préférence être récolté dans un endroit qui a été témoin d'une grande cruauté et violence. C'est pourquoi nous partons pour le Grand Tonnerre. Vous connaissez l'histoire de la vendetta entre les familles Buttergood et Winterwell? Bien sûr. Tant de choses ont été perdues lorsque les deux familles se sont affrontées ce jour-là. Les Buttergood ont perdu leur manoir et les Winterwell leur usine de poudre. Mais en plus, beaucoup de monde est mort. C'est comme si le ravin servait de métaphore de la façon dont Epona est divisée. La terre s'est déchirée, les gens ont pris différents partis. Ils le font encore aujourd'hui. Héhéhé, une fusillade à côté d'une usine de poudre. Je n'ai pas à venir ces gens-là. Désolé, Berk. Écoute, si tu veux faire de la magie, tu devras toucher des choses dégoûtantes. Il faudra t'y faire. Tu as raison. J'adore les squelettes. Bah moi non. Il est temps de récolter les os. J'aimerais tellement me joindre à vous déterrer des os. C'est un de mes passe-temps préférés après la pêche dans la marée. Quel genre d'os est-ce qu'on cherche? Peu importe, des phalanges, des orteils, des bras, des crânes, si on a de la chance. Non, je veux dire, ne me dites pas qu'il s'agit d'os humains. Oh non! Enfin, je ne crois pas. Oh, il s'agit de mes os, j'ai bien peur qu'il vous faille en trouver d'autres. Oh, pardon de vous avoir dérangé. Je vous souhaite une bonne journée. Éternité, au revoir. Quels os merveilleux! Ceux dont on n'aura pas besoin feront une très bonne soupe. Bon, retournons au chaudron. Nous trouverons le dernier ingrédient à Fornasabourg. On a presque fini. Parfait, plus vite on aura terminé, plus vite je pourrai faire une pause de déjeuner. Argue, je suis plein de poussière, j'ai besoin d'un bon bain. Dis Lisa, si on se faisait une soirée relaxation quand on rentrera au ranch Starshine. Parcourir tous ces kilomètres sous forme de cheval me donne juste mal à quatre jambes au lieu de deux. Mon balai me manque. Il est temps de cueillir des champignons. Si vous voyez des champignons noirs, n'y touchez pas, ils sont toxiques. De mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, ils poussent surtout dans les montagnes, sois juste prudente. C'est gris, hein, ça. Et c'est gris, c'est pas noir. Oh. Halte! Halte là, qui appartient à ce cheval? Pardon? C'est moi ou ce cheval vient de parler? Non, j'entendais pas. Qui est le papier de ce cheval? Nous escortons ce cheval jusqu'à son écurie car sa cavalière s'est blessée. Malheureusement, nous n'avons pas ses papiers. Je vais être obligé de confisquer ce cheval jusqu'à ce que vous puissiez fournir ses papiers. Viens voir tes papiers. Hé hey Bob, viens par ici, on a une situation de type MI-40 sur la terrasse de gauche. Arg, attendez ici, je n'en ai pas fini avec vous. Il rêve, allons-nous-en vite. Arg, dire que mes bottes venaient enfin de sécher. Pareil, je n'ai pas du tout hâte de revoir ces planches branlantes.
Vous êtes une vexante. Vous parlez devant chez moi, je vous signale. Nous sommes arrivés au marais. Une potion qui pique est dans un chaudron qui pète. La fumée magique me rendra ma tête. Vite, on n'a pas de temps à perdre. Jette dans le chaudron. Je suis encore prisonnière de ce corps d'équidé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Restez, fais attention à ne pas gaspiller tous nos ingrédients. Oh, ce n'est pas le résultat que j'espérais. Oh, oh, restez. Attendez, j'ai une idée. Comme c'est un sort d'inversion, essayons d'ajouter les ingrédients au chaudron dans l'ordre inverse de celui indiqué dans le grimoire. Champignons, os, coquillage, puis l'inferme. Champignons, os. C'est quoi ce duo? Par tous les corbeaux, je suis à nouveau moi-même. Je ne prendrai plus jamais pour acquis le fait d'avoir 10 doigts. Cependant, la crinière était une nette amélioration. Maintenant que je suis à nouveau humaine, je peux enfin rassembler mes esprits et vous expliquer ce qui s'est passé avec Anne. Mais avant, est-ce que quelqu'un a faim? J'ai des cookies au verre de farine dans mon placard. Arrête de tourner autour du pot, Pi. Il faut qu'on trouve nos amis. Dis-nous si tu as vu Anne ou Alex. Anne, bien sûr que j'ai vu Anne, c'est à cause de cette petite peste que j'ai été transformée en cheval. Hein? J'ai du mal à croire. Anne ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, bon, pas directement, mais elle est venue me voir avec un trèfle à 5 feuilles. Elle voulait que je l'aide à en débloquer la puissance. J'ai bêtement accepté, alors j'ai commencé l'incantation. Une force mystérieuse et menaçante nous a interrompus et le sort a ricoché me transformant en cheval. Anne m'a abandonné, me laissant galoper, désorientée, dans le marais. Peut-être était-ce parce qu'elle craignait pour sa vie, mais je crois plutôt qu'elle voulait désespérément trouver quelqu'un d'autre pour l'aider avec le trèfle. Elle a donc encore le trèfle. Oui, enfin, qui sait, cette mystérieuse force lui a peut-être pris. Je me demande si elle va bien. Peut-être qu'Alex a réussi à la retrouver. Peut-être qu'elles vont bien toutes les deux. Ou peut-être qu'elles sont toutes les deux dans la panarde. Eh bien, je dois avouer que j'ai une dette envers vous. Je crois que j'ai un moyen de vous aider à retrouver les autres. C'est un petit outil que j'ai inventé. Quel est cet outil? Avant que je vous révèle cette information révolutionnaire et brevetée, vous devez signer ce parchemin qui vous oblige à garder le secret. Signer un contrat avec une sorcière? Je ne crois pas, non. Merci d'accepter ces conditions d'utilisation. Signé ici et parfait l'annexe. J'ai utilisé un modèle de ce contrat que j'ai trouvé sur le web. Oh, une dernière question. Est-ce que vous acceptez les cookies? Je suppose que je vais devoir aller chercher ceux qui sont dans mon placard. N'importe quoi. Je peux lire 500 mots à la minute. Et même moi, je n'aurai jamais le temps de lire ce pavé. Si on veut retrouver nos amis à temps. Rebon, alors, faites-moi au moins une promesse. Croix de bois, croix de fer, vous ne volerez pas mon idée. L'espionnage industriel est un vrai fléau à notre époque. On te le jure. On vous présente, tadam, le laboratoire mobile d'analyse de scènes de crime de Pi. On peut l'utiliser pour trouver et scanner les indices laissés par Anne et Alex. Et la force étrange qui s'est manifestée ici. C'est génial, puis je pense qu'Anne a dû chevaucher jusqu'à un des arbres anciens, sans doute l'arbre aux pommes d'or, puisque c'est le plus près. On commence nos recherches là-bas? Et si... Regardez, un portail, Anne a dû ouvrir, ou du moins le franchir. Qu'est-ce que tu en penses, Turna? On traverse?
Ce portail est resté ouvert aussi longtemps, c'est que le destin veut qu'on franchisse. Et la petite pouliche a besoin de nous aussi, Starshine et moi ressentons que nous devons traverser. C'était terrifiant, mais on dirait qu'on est juste dans un bois écru. Continuez à chercher des indices. On doit être toute proche. Anne, Alex, on arrive, ne vous inquiétez pas. L'atmosphère ici est étrange, lourde, menaçante, voire carrément terrifiante. Je vais essayer de capturer et analyser cette plume. Arctus, c'est une magie très ancienne, très puissante. Eh bien, j'adorerais rester et vous aider, mais je viens de me souvenir que je n'ai pas retiré mon chaudron du feu. Ouais, pureuse. Ce n'est pas très encourageant. Je préférais Pi en cheval. Pi vient de nous abandonner. Ce n'est pas croyable. On aurait dû rattraper Anne et Alex depuis longtemps. Oui, on dirait qu'on est toutes proches. Mais beaucoup trop loin. Cet endroit est vraiment bizarre. Je crois qu'une entité étrange essaie de nous embrouiller. Ou de nous ralentir, peut-être. Et si elle ne voulait pas que nous soyons toutes réunies. Il faut qu'on réussisse. Encore ce corbeau. Et regardez d'autres traces de brûlé causées par Alex. Venez, il faut qu'on sorte d'ici. J'avais mon cœur qui battait. À mille à l'heure. Et j'étais crispée de ouf. J'étais mode pas par là, pas par là, pas par là. Trop de trucs. Tu as réussi. Alex, Anne, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Qu'est-ce que c'était que ce truc qui nous a pourchassés? Je ne sais pas, j'avais l'impression de toujours être sur le point d'atteindre Anne. Mais quelque chose me poursuivait ou plaçait des obstacles sur ma route. Comme un fantôme, mais différent. Je ne sais pas si c'est clair. Pi a appelé ça une force mystérieuse. Et on a peur. 1 pour les Two Riders et 0 pour la force mystérieuse. Ça fait plaisir d'être à nouveau réunis. Essayons de rester ensemble pour une fois, d'accord? Ouais, puis alors, c'est pas trop mon moment de coller. Parce que c'était compliqué. Écoutez, on est tout épuisé, reposons-nous ici et Anne explique-nous ce qui se passe. Il y a beaucoup à dire. Je ne suis pas sûre que vous comprendrez ou que vous me soutiendrez. Je ne sais même pas si vous voudrez encore être amis avec moi. Mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. Eh bien, on t'a tout suivi jusqu'ici. Mais on ne se comprend pas toujours. Ou qu'on n'est pas tout le temps d'accord. On est toujours là, les unes pour les autres, Anne. Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas demandé de l'aide? J'ai perdu Starshine très peu de temps seulement, et c'était insupportable. Je ne suis pas là pour te juger, Anne. Vous êtes comme des sœurs pour moi, mais sans concorde, je me sens incomplète, impuissante. Alors, quand j'ai vu le trèfle, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. On a plus ou moins déduit que tu voulais transformer Concorde en adulte pour pouvoir renforcer votre lien. Je vois ça plutôt comme l'aider à atteindre sa forme plus évoluée. Anne, ce serait lui voler du temps. Qui parmi nous ne s'est pas vu voler une partie de sa vie, d'une façon ou d'une autre? On a toutes perdu des êtres chers.
On a vu des choses affreuses et on a été blessé. Est-ce qu'on l'a choisi? Non! Quelqu'un a choisi pour nous. Regarde Concorde. Elle aussi a été choisie. Le temps est quelque chose de beaucoup plus fluide pour nous. Si on était séparés, je voudrais te retrouver, tu sais. Si on était séparés, je voudrais te retrouver. Tu sais, je ferais n'importe quoi pour revenir jusqu'à toi. Et cette force mystérieuse, quelle qu'elle soit, j'ai eu beaucoup de mal à la combattre. Seule, je ne suis pas assez forte. Le portail que j'ai ouvert ne tenait même pas vers un endroit que je voulais. Je n'ai pas réussi à le fermer derrière moi. Comment est-ce que je pourrais la protéger sous sa forme actuelle? Je ne sais pas, Anne. Tu es sûre de toi? Ce n'est pas parce que Concorde sera adulte qu'elle sera capable d'affronter les dangers qui nous attendent. C'est une question morale assez complexe. Je respecte ton point de vue, Lisa. Mais ce n'est pas une question de moralité, mais de mortalité. Je ne veux plus perdre qui que ce soit. Anne a raison. On ne peut pas affronter Garnock sans Concorde. Eh bien, ces deux personnes qu'il aime le sont... Ces deux personnes qu'il aime le plus sont d'accord pour faire ça. Alors, je me range à leurs avis. Oui, c'est une question épineuse, mais... Après ce qu'a dit Starshine, je suis convaincue qu'il faut réunir Anne et Concorde. Tinkan et moi, on est d'accord. Pardon, je peux parler tout seul? Ah ouais, alors qu'est-ce que tu allais dire? Je suis d'accord, évidemment. Un peu qu'on est d'accord, par fripe. Votre soutien me touche vraiment. Druna, tu es avec nous? C'est le meilleur choix dans la situation où on se trouve. Bon, alors c'est décidé, nous allons camper cette nuit et ensuite nous irons toutes chercher de l'aide pour Concorde. On ne peut pas traîner encore les choses. Bientôt, Concorde, bientôt, tu seras de retour parmi nous. Les Soul Raiders seront à nouveau réunis. Décision plutôt importante que de transformer Concorde adulte. On s'en doute un petit peu, je pense. Mais c'est pas quelque chose de facile. Alors, je parle d'un jeu de poney avec gravité, mais genre, je m'imagine vraiment, moi, dans la peau du personnage. C'est pas forcément facile de décider qu'un cheval qu'on a vu toute sa vie, mort et revenu à la vie, bah, on le retransforme en adulte. En confisquant une partie de sa vie. Donc c'est vrai que c'est un choix important, mais dans les circonstances actuelles avec Garnock, on n'a pas vraiment le choix. Le souci étant que Concorde n'a pas toute sa force actuelle et que sans Concorde, on peut pas battre Garnock. Donc c'est assez compliqué. Donc moi je suis pour, même si ça fait mal au cœur, et j'adore l'histoire. En fait, ce que j'aimais dans ces missions, c'est que c'est très, très boostant. T'as des ambiances, t'as l'ambiance à force mystérieuse qui nous pourchasse, entre grosses guillemets. Et je suis sûre que tous ceux qui ont fait ces quêtes se demandent. Quelle était cette force? Parce que on sait très bien que Garnock, Darko, etc., ils peuvent pas faire ce genre de magie là. Donc on sait pas vraiment ce que c'est. C'est peut-être une Dark Riders. Peut-être que c'est une des nouvelles là. Mais je suis pas sûre. Et franchement, c'est assez. On se demande vraiment ce que ça pourrait être et c'est assez troublant de se dire bah, on découvre une force magique mais qui n'est pas la force qu'on a l'habitude de voir sur le jeu. Donc bah, moi j'ai hâte d'être aux prochaines quêtes principales et donc de découvrir
cette fameuse force mystérieuse. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, comme vous le savez toujours. Et nous, on se retrouve samedi pour une vidéo où je vais faire du Pony Game. Donc ce ne sera pas une vidéo très bien montée, ni très bien cadrée. Mais c'est une vidéo que j'avais envie de partager. C'était très drôle de faire Pony Game samedi dernier. Il y a eu 10 chutes dans le cours. Et dans moi. Mais on verra pas parce que je suis cachée par notre poney. Et en plus, c'était la chaise musicale. Donc bon, je suis vraiment tombée comme une merde en plus. C'est juste mes jambes qui m'ont dit « Nope, tu descends, mais on te soutient pas. Tu te démerdes. » Enfin, bref, moi je vous laisse. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bye!